Monsieur le Président, la Société canadienne du cancer a demandé à Ottawa de prendre son rôle au sérieux. La ministre de la Santé et son secrétaire parlementaire ignorent complètement nos questions et se déchargent de toute responsabilité. Santé Canada n'a pas été en mesure de réglementer l'industrie des médicaments de façon efficace. Pourtant, c'est de juridiction fédérale. Résultat, la vie de milliers de Canadiens est en jeu. Les experts de la santé et les provinces demandent au fédéral d'établir un système où l'industrie sera obligée de dévoiler les médicaments risquant de se retrouver en rupture de stock. C'est simple et concret. Est-ce que la ministre va renforcer la réglementation afin d'éviter d'autres pénuries, oui ou non? Madame la ministre de la Santé. As I stated earlier, our government's role is to assist the provinces and the territories by informing them of approved Canadian supplies for drugs when their current supply hasn't been met. At the request of the provinces and the territories, we are fast-tracking approvals of four products, international products, again, without compromising our high standards of safety. We are making sure that all of the important players are in contact with one another and that all have the latest information about potential or current shortages. Thank you, Mr. Speaker.